Bonjour Antoine Léomand, député sortant de la France Insoumise en campagne pour le second tour dans l'Essonne en région parisienne sous la bannière du nouveau Front Populaire. Dimanche, il y aura donc finalement moins de 100 triangulaires puisque plus de 210 candidats ont renoncé dans l'entre-deux tours pour barrer la route au Rassemblement national. La gauche s'efface dans presque toutes les circonscriptions où elle était arrivée troisième. Euh, la consigne très claire donnée par les dirigeants des partis du NFP de faire barrage au RN. A fonctionné à plein régime, Antoine Léaumont. Les candidats l'ont massivement suivi. Qu'en sera-t-il cependant des électeurs Écoutez, je souhaite que les électeurs nous donnent à nous une majorité. Parce que si les électeurs choisissent de voter pour des candidats du nouveau Front populaire, eh bien dans les quelques jours après notre arrivée au pouvoir, nous ferons le SMIC à 1 600 euros et nous abrogerons la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Je pense que ça vaut le coup quand même d'élire des députés du nouveau Front populaire. Mais quand dans le Calvados, un insoumis se désiste au profit d'Elisabeth Borne, l'ex-première ministre, dont vous n'avez cessé de dénoncer les méthodes, le recours au 49-3, le projet, la réforme des retraites que vous promettez d'abroger... Est-ce que ça ne risque pas d'apparaître incohérent Je crois pas. C'est précisément que... ce que dénoncent euh, les abstentionnistes, ceux qui se détournent ouais, de, de, mais... de, 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 de la politique, cette, cette incohérence dans le ouais, discours mais et dans je les actes. Il n'y a, a pas d'incohérence parce que pour nous, ce qui prime devant tout, là, on a des désaccords avec euh, Mme Borne qui sont d'abord des désaccords économiques. Euh, nous ne sommes pas d'accord avec cette réforme des retraites, nous l'abrogerons, nous avons des moyens de financer une réforme des retraites à 60 ans, c'est-à-dire encore de diminuer l'âge de, de départ en retraite, notamment en augmentant les salaires, et notamment en augmentant les salaires des femmes, euh, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais 80% des au SMIC sont des femmes. Donc, quand on augmente le SMIC à 1600 600 euros, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les salaires des femmes et qu'on participe à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Mais il y a quelque chose qui, en revanche, nous séparera toujours du Rassemblement national de manière euh, euh, irréductible, d'une certaine manière. Quand Jordan Bardella dit que son urgence, c'est la suppression du droit du sol. Eh bien, c'est une mise en cause fondamentale de notre identité nationale depuis que la France est la France, c'est-à-dire depuis 1789. Au moment où on invente le drapeau tricolore et la marseillaise, eh bien, on invente aussi le droit du sol et euh, l'accès à la citoyenneté par ce droit du sol. C'est une remise en cause fondamentale de ce que nous sommes comme Français. Euh, moi, dans ma famille, j'ai des Italiens et des Belges. Alors, ça ne se voit pas sur ma tête que je suis euh, un descendant d'immigrés. Mais il y a plein de gens qui subissent le racisme, qui subissent euh, la haine religieuse. En raison de ce qu'on suppose être une religion qu'ils auraient ou de ce qu'on suppose être une origine qu'ils auraient. Et Donc vous, vous dites, se je... désister en faveur de candidats avec qui on n'est pas d'accord à 100%, c'est un sacrifice nécessaire pour éviter le pire. C'est un sacrifice nécessaire pour la République et l'idée que nous nous faisons de la France et du peuple français, oui. Et je crois qu'il euh, y a beaucoup de nos compatriotes en ce moment qui souffrent euh, de ce racisme, qui souffrent de cette haine. Et quand je dis qu'ils souffrent, c'est y compris des violences physiques dont on parle à Lunel euh, il y a euh, quelques jours de cela dans le sud de la France dans, dans le sud rôles. de la France il y a quatre personnes qui ont euh, failli noyer une personne en le traitant de salarabe un, un jeune étudiant de 19 ans mmh. c'est ça en fait l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite c'est des violences racistes qui s'expriment dans la société et qui sont couvertes euh, par un pouvoir politique donc Madame Borne, je suis en rien d'accord avec elle sur le plan économique mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous séparera toujours elle et nous d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, c'est cet attachement à la République française, cet attachement au peuple français et à ce que veut dire... Être français pour nous qui sommes des républicains convaincus. Alors, c'est évidemment une campagne au pas de charge, à l'enjeu historique, campagne sous tension, vous venez de le dire, lorsque Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de coup d'État administratif, mmh. après des informations de presse sur de possibles nominations dans l'administration cette semaine avant le second tour. L'Élysée a appelé la députée RN au, au sang-froid. Qu'est-ce que cela vous inspire Cet épisode, ça laisse augurer, en cas de victoire du Rassemblement national, une cohabitation particulièrement musclée mais de toute évidence, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, elle nommerait dans l'administration des gens qui sont des gens de son avis, qui sont d'accord avec elle. Donc elle voudrait des gens à sa botte pour faire dans l'administration exactement ce qu'elle veut faire. Normalement, l'administration, elle a un devoir d'obéissance. Donc ce qu'elle dit en disant cela, c'est qu'elle met en cause l'administration le, le, la, de l'État et ça c'est la démonstration que Marine Le Pen n'est pas prête à gouverner le pays parce que euh, Marine Le Pen et Jordan Bardella s'ils veulent mettre en place euh, des gens qui sont du Rassemblement national à l'intérieur de l'administration c'est un problème alors eux ils disent le contraire ils disent que le gouvernement est prêt qu'ils sont largement préparés euh, depuis euh, ben, depuis des années non, mais... à prendre le pouvoir alors ouais. à, à ce stade c'est très compliqué de faire des projections euh, fiables en siège pour le second tour Antoine Léaumont, notamment compte tenu des désistements hum. qui sont intervenus jusqu'à hier soir on va aller sur les hypothèses si vous êtes en Position de gouverner, le nouveau Front Populaire. Euh, le président de la République appellera à Matignon une personnalité issue de vos rangs. Qui Votre préférence à vous Elle va où Moi, ma préférence personnelle, elle est évidemment dans le rang des insoumis. Parce que le programme que nous avons décidé de mettre en place, c'est un programme, je l'ai dit, qui commence par le partage de la richesse, qui commence par l'augmentation du SMIC et qui commence aussi par la remise en place d'impôts comme l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais et vos partenaires faire... de la coalition pour sont faire... d'accord là-dessus Non, je crois que sur ce point-là, on avait un, un, un point d'accord qui était que le groupe le plus nombreux à l'Assemblée nationale propose... Un candidat ou une candidate au poste de premier ministre. Je crois que dans les rangs des insoumis, il y en a plusieurs qui peuvent exercer cette fonction. Donc, euh, c'est pas le nombre de candidatures d'une certaine manière qui manquerait, ni d'ailleurs pour former un gouvernement dans l'ensemble des forces de gauche. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que derrière les questions de personnes, d'individus qu'on va mettre derrière le poste de premier ministre, Malgré il y a des, des que... questions. Je voudrais juste finir cette sur phrase les si, si vous me le permettez. Une sur les si vous le permettez, que je voudrais ça... juste finir la phrase. Vite, parce que sinon, ça... ça veut rien dire. Si je finis pas mes phrases, ça n'a pas de sens. Terminez Donc, très rapidement. Je vous dis que derrière les questions qui sont associées aux personnes, il y a des questions de ligne politiques. Ouais. Ce n'est pas la même chose, par exemple, de choisir. François Hollande comme Premier ministre, Absolument. ou de choisir euh, Clémence Guettet, Manuel Bompard ou Mathilde Panot ou Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs comme Premier ministre. Justement, sondage Ipsos du 27 juin, les Français interrogés sur leur perception de potentiel Premier ministre. 78% d'entre eux disent que ce serait une mauvaise chose ou une très mauvaise chose que Jean-Luc Mélenchon euh, occupe cette fonction. Clairement, ce n'est pas le, le bon scénario pour ça la suite. Ça m'amuse beaucoup parce que demander à des gens de droite si Jean-Luc Mélenchon ferait un bon Premier ministre, évidemment, euh, vous allez avoir un résultat qui est assez, qui est assez Il euh, est déplorable. Il est la personnalité qui suscite le plus de rejet, pas. davantage je... ouais, que Marine Le Pen dans fait... ce sondage-là, en tout cas en fait... dans cette étude-là. Oui, bien sûr, mais je ne je, je crois pas que ce soit vrai. Euh, il suffit, euh, si vous voulez, de venir avec moi en porte-à-porte -porte dans ma circonscription et vous verrez si Jean-Luc Mélenchon suscite du rejet. C'est plutôt l'inverse en réalité. Mais dans les votre gens, propre parti, gens... sa personnalité euh, divise non, non, pas du tout. Ah dans bon, mon parti, là, sa personnalité ne divise pas. Enfin, je... Essayez de me trouver un insoumis qui dira que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon divise, mais je. je, je On si a bien vu les si réserves allez, allez, de certains, Clémentine si Autain, François Ruffin, à tous les citer. Si vous, si vous allez euh, dans ma circonscription, euh, vous verrez que euh, pour euh, beaucoup de gens, Jean-Luc Mélenchon constitue un bouclier contre le racisme. Il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants à Jean-Luc Mélenchon d'avoir eu des mots très forts sur la question du racisme, sur la question de la haine que véhicule le Rassemblement national. Et euh, pour ce qui me concerne, vous savez, moi j'ai mis ma tête à côté de Jean-Luc Mélenchon sur euh, mon tract et euh, j'ai fait 43%. Donc si Jean-Luc Mélenchon suscitait du rejet, je pense que euh, ma foi, euh, euh, j'aurais fait un score moins important que 43%. Enfin, je ne sais pas si vous pensez qu'une progression de 7000 voix, c'est un rejet de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. C'est sûr que ma part, circonscription moi, pour particulière, ma part, je, vous dis, je vous parlais d'un sondage je dis, national. Je vous, dis, je vous dis une chose c'est que derrière les questions de personnes, et, et la raison pour laquelle on essaye en ce moment de faire détester Jean-Luc Mélenchon à beaucoup de gens, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a, a, a proposé une ligne politique qui est une ligne de rupture avec le capitalisme. Et la raison pour laquelle on essaie de vous le faire détester, c'est parce qu'il défend d'abord vos intérêts. Antoine Léaumont, député sortant candidat du Nouveau Front Populaire dans l'Essonne, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.